je pense qu'il faut prendre conscience que l'ensemble des policiers doivent faire l'objet d'une protection renforcée et pas uniquement les services spécialisés, comme on l'a vu avec certaines dispositions qui ont été prises en 2016 et début 2017. Je sais juste qu'on lui a tiré dans le dos, donc imaginez bien que ce n'est pas une petite blessure et que forcément il y a potentiellement aussi des séquelles possibles à cette blessure. Avant cet attentat, nous avions déjà une mobilisation intense, puisque 50 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour cette élection. Comme je le dis, nous sommes des professionnels de la sécurité, nous ne reculerons pas, nous serons présents, nous ferons notre travail. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas, donc là aussi, on appelle à la vigilance et à la prudence.